peine, Amicia. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi ? Suivre les hommes ? Moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici ? Pour l'arbre. Quel arbre ? Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement. L'épreuve de... Mais tu n'as plus 10 ans, tu sais. Oh, je vous en prie, père. Je me suis entraînée dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Regardez, Lyon. Le fauve de Guyane est pressé d'en découvrir. Ah, mon fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Tu es dur. Vas-y, mon chien. Tu vas trouver une proie. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Tiens, le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun ses obligations, Amicia. Tu sais, dans une famille... Hey, j'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de rune. Allez, vas-y. Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais, chacun ses obligations. Je dois m'occuper de ses terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi... moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi ? Hé ! Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. Allez. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve ? Amicia de Rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve ? Les pommes sacrées de l'arbre... sacrées ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Prête. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien. Reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et ma fille. Six. Sept. Huit. Et c'est ainsi qu'Amicia devint chevaleresse. Neuf. Et... 10. Et voilà. Eh bien, je suis impressionné. Mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez ? Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a ? Il a dû flairer un lapin. Venez, vite ! Par devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Lyon ! Attends-moi ! Lyon ! Un chien de chasse n'est pas censé semer son maître. Lyon ! Mais où il est ? Tu es là. Qu'est-ce que tu as senti ? Oh là là ! Un sanglier ! Bravo, mon chien. Amicia, il a trouvé quelque chose ? Chut ! Venez voir, un sanglier ! C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher, mais tu dois t'approcher de lui.
Ces herbes te cacheront si tu restes baissé. Il boit. C'est le moment. Trouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. Doucement, c'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Utilise les hautes herbes. Reste baissé. Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise? On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non. Nous dînerons comme des rois. Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, Lion. J'arrive, Lion. Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi. Oh non, je vais m'enfoncer là-dedans. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Oh, des choses toutes neuves. Je vais en entendre parler. Les arbres. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lion! Reviens! Mais... c'est le sanglier? Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. Lion! Viens, mon chien! Lion! Lion! Je suis là! J'arrive! Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... en train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. T'en es où des rivets pour renforcer la porte? J'ai pas pu les faire encore. T'es au courant que les troupes anglaises arrivent? Pour les nouveaux rivets. Au fait, des nouvelles du bourg? Les gens sont nerveux. Il y en a qui ont été... Mademoiselle Amicia, avez-vous vu? Anglais, ça. Plus tard, Flore. Dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Oui, je leur dirai.
Bonjour, mademoiselle Amicia. Alia Horatio Sancti Sebastiani, préserve-nous du mal, accorde-nous la santé et garde les fléaux loin de notre foyer. J'espère que Mère n'est pas trop occupée. Ça va pas durer, ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. Ah, Gabriel. On a de la chance. Mère est encore à l'étage ? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. J'y veillerai. Louise, tu viens de voir ma mère ? Tout juste. Vous voulez la voir ? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir si vous voulez. Ah, merci. C'est... le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. Oh, de rien, ma douce. Faites-y attention. Mère ? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai ! Lyon était là, par terre, et puis il a été... Chut ! Tu vas rester ici avec ton frère. Quoi, que se passe-t-il ? Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Ça fait combien de temps qu'il est ici ? 4 ans ? 5 ans ? Où est-il ? Hugo ? Maman, c'est toi ? C'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance ! Il a parlé. Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il ? Pour la dernière fois, où est votre fils ? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. C'est maman ? Hugo, viens ici. Qu'est-ce qui se passe ? Chut ! Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi.
Où est-ce qu'ils l'ont planqué? Maintenant, vite! Où est maman? Chut! Gabriel, viens vite. Hé, toi, viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où le gamin, hein? Laissez-le en paix. Ferme-la. Il appartient à l'Inquisition. Vous auriez dû nous livrer l'enfant. C'est un enfant. Vous êtes... Oh non. Voilà. Léa. De grâce, je ne... Ça t'apprendra. Non, je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Toi, reste ici. On y va. Alors dis-moi, où est... Hugo de Rune. Amicia, qu'est-ce qui se passe? Maman, il faut trouver maman. Elle saura quoi faire. Juste me faire courir, hein? Vous! Pitié! Ça sert à rien de se tuer. On doit avancer. Ne regarde pas. Les veines, nous servons à plus haut dessein. Allez, fais voir un peu si tu gâches pas la chose. Merde, vous regardez forcément ces travaux ici. Non! Je veux pas. Je sais rien. Je m'occupe juste du linge, moi. Écoute, c'est ta dernière chance. Dis-nous un peu ce que tu sais des travaux de ta maîtresse. Même si je le savais, je dirais rien. Ta maîtresse est une bonne âme. Eh bien, eh bien. Où vous allez comme ça? Mes enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Oui? Oui. Garde, faites attention aux issues. Personne ils ne sont partout. Faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. Hé, on est un autre. C'est qui? Jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Les fleurs? Oh. Va falloir faire mieux que ça. On a réussi. Chut. Vous tirez tout ce qu'il sait. J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Je dirais rien. Allez en enfer. Ah ouais. Après toi. Je te laisse réfléchir. Maintenant. Et toi, crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes... des lâches. C'est pointure. Oh, ça c'est... Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Je vais te porter. Nous avait... Attention, descendant. On n'en sera pas là. Hein? Mais Robert de Rune a eu... Gamin et deux ou trois gueux qui les retardent comme ça. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne.
Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. C'était quoi ce bruit ? Viens, on y va. Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a ? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Alors, le garçon ? Il se cache, mais le seigneur Nicolas se s'en occupe. Il n'est pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. Bien. Au moins, il a eu le père. Si peu, il aura le fils. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils lui veulent ? Je reviens. Reviens vivant. On a besoin de toi ici. On peut pas y aller. Mère, peut-être que si tu lançais un de ces pots. Vous croyez ? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. Allez, je vous connais, vous, les pauvres. Bonne nouvelle. Toujours un... C'était quoi ce bruit ? Allez. Oh non, non, non. Tu calmes. Tiens bien ma main. Oh, verrouillé de l'autre côté. Mère, il y a un trou dans le mur. Oui. Derrière. Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite. D'accord ? D'accord. Allez, mon grand. Bravo. Il y a des gens. Prends ma main. Viens. Reste ici. C'est bon, Hugo. J'arrive. Pitié ! Pitié ! On attend. Demandez grâce, ne fais pas courir plus vite, mon ami! J'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... Ah, ma tête... Maman... Qu'est-ce qui lui arrive ? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux... Ma tête... Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Tu peux venir tout de suite. Ah, voilà. Merci. Thank you.
J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo doivent avoir le temps de passer. C'est quoi ? Je dois les prévenir maintenant. Allez, allez, vite. Bravo. Rien. Par ici. La porte du jardin. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. L'épouvantail. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui. Mais on attendra qu'il reparte. D'accord. Je m'en occupe. Ce bruit, ça venait de là-bas, je crois. Ici, suivez-moi. Mon chéri, va vite te cacher. Madame, ils arrivent. Tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... et vous alors ? Vous devez venir avec nous. Tu n'as pas besoin de moi, Lucien. Tu es... Si, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Qu'est-ce qu'on fait ?
Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Hugo ? Hugo ? Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillée. Eh ben, on lui dira pas quand on la verra, d'accord ? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Amicia, pourquoi ils veulent nous attraper ? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman. Oui. On fera ça. Où sont passés les gens ? Ah, des pommes ! Hugo, c'est pas le moment. Mais... Ne touche pas ! Tout est pourri ! Mais j'ai faim ! Comment tu peux penser à manger ? Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. S'il vous plaît, attendez, madame ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Elles ont eu peur. C'est pas vrai. Ils se cachent. Oh, regarde, des dessins sur les portes. Reviens, ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Ah, ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça, ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui, pardon. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'ils se cachent. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête ? Ça ressemble pas à une fête. Oh mon Dieu. Hé ! Je vous en supplie ! Aidez-moi ! Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? Non ! Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein ? Cette sale vermine qui envahit notre église ! Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir ! Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort, et je vous le dis, c'est le dernier village que vous infectez. Amicia ! Viens vite ! Cours, Hugo ! Qu'est-ce qui se passe, Amicia ? Par le parcours ! Mais pourquoi ils sont en colère ? Ils vont nous brûler, nous aussi ! Il faut qu'on se cache, Amicia ! Ici, à l'intérieur, vite ! C'est calme, ici. Il va nous voir ! Ne bouge pas ! J'ai plus qu'à attendre qu'il se pointe. Je pourrais pas les rater. C'était quoi ce vacarme ? Allez !
bien eu. Vous voilà. Ah, pas par là. Où est-ce qu'on va? Hugo, cours aussi vite que tu peux. Là, le mur. Ils arrivent. Vite, vite. On n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Bien, on peut grimper dessus maintenant. Ne bouge pas. Je reviens. Je... Oui. Tu peux venir. Oui. La tâche a l'air fragile. Mais ça va faire du bruit, non? T'as une meilleure idée, peut-être? On va pousser ça. Oui. Je vais t'aider. D'accord. On s'en est sorti. On va partir d'ici alors. S'ils nous retrouvent pas d'ici là. Mais t'as la fronde. Tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. Des étrangers. Oh non, vite, vite. Cette fois. L'échelle, vas-y, grimpe, passe devant. Elle a pas l'air solide, Amicia. On n'a pas le temps, ils arrivent. Elle va casser. Non, non. Je te l'avais dit. Hugo, où est-ce que tu vas? Me laisse pas ici. Amicia, viens, sur le côté. Oh, tu es là. J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée, je vais la faire tomber. Fais attention. Désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentius. Amicia, cachons-nous. Alors, ils sont passés où? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a 5 minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux? C'est quoi cette blague? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles. Si Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle les innocents. On fait la chasse à des gamins, alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal, une fillette et un enfant ici par les temps qui courent? Sûr qu'ils sont sortis de l'église, avec le reste de cette pourriture. Hein? Il y a eu un bruit. Je suis pas dingue. Oh non, encore eux! C'est par où? Je sais pas!
une issue. Oh non! Vite, s'il te plaît! Je sais! Ça ne va pas les retenir longtemps. Vite! Ils savent qu'on est là! Non, elle est bloquée! Hugo, passe par là! Ouvre-moi! D'accord. Ils ont coincé une planche. Tu peux l'enlever? J'essaie. Fais vite. Vite, Hugo, je t'en supplie. Hugo, il est là. J'arrive. Hugo, fais quelque chose. Je dois m'arrêter, Amicia. Continue, Hugo. Encore un tout petit effort. Ils sont où? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut! Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trempés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. C'est mieux. Et toi? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête! On va se faire attraper! Hugo! On fera ce qu'elle a dit! Ne discute pas! Hugo, attends! C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh! Je m'appelle Clairvy. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici? Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants sont... Mais où sont vos parents? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvy, alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin, mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil.